On reprenait les blagues. Hello tout le monde. Regardez comment le lit est immense. Hello tout le monde. Oh, j'ai mal au bras à force d'avoir trimballé 3 grosses valises de 32 kilos hier. J'ai mal au bras. Et quand on n'a pas d'aide, c'est hyper lourd. Ah, je pense que je vais reprendre les blagues. Alors, je viens juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Regardez comment c'est magnifique. Super joli, hein? Là, on a le lit, un très très grand lit. Il y a encore mes bagages à côté. J'ai sauté sur le lit, hein? C'est pour ça que c'est comme ça. Mais de ce côté, vous avez la vue. C'est une grande chambre. J'ai pris une suite. Et voilà le plafond. C'est vraiment beau. Et attendez, attendez de voir la vue. Attendez de voir la vue. Et de ce côté, regardez cette vue magnifique. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler de nuit. Ici, il y a du rangement, donc on a... voilà, simplement... penderie avec 2 bâtons comme toujours en... Ah, il y a un miroir ici, voilà. Et puis avant de vous montrer les toilettes, je vais vous montrer la belle vue. Elle est super super jolie. Magnifique. Donc là, je reste à l'hôtel pendant 3 jours avant d'accéder à mon appartement parce que j'ai pris un appartement pour 1 an. C'est un appartement meublé. Bon, je me suis pas maquillée aujourd'hui, vraiment pas. Le but n'est pas de me montrer dans cette vidéo. Donc là, on a le petit coin et ici, il y a la douche. Voilà, voilà la douche. Elle est grande, hein? Elle est vraiment très très grande. Alors, regardez les pieds. Regardez comment c'est grand. Je pense que 4 personnes peuvent tenir, même 6 personnes peuvent tenir dans cette douche. C'est très grand. Voilà, c'est très joli. Je reste juste pour 3 nuits avant d'aller dans mon appartement. Vous aviez déjà vu cette petite veste. J'avais montré ça dans une vidéo. Je pense que ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, j'avais montré ça dans une vidéo YouTube. C'est une veste de Jacqueline De Zange. Voilà. Tenue très très simple. Et je pense que je vais aller manger tout à l'heure parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment faim. Et là, je m'en vais manger parce que je n'en peux plus. J'aurais voulu prendre une douche avant là, mais pas moyen, j'ai trop faim. Là, ça va. Je m'en vais manger. Open. Bon, on va manger en espagnol. regardez mon plat. C'est du riz frit. Ils ont mis comme du plantain dessus. Oh là là, là là, là là. Delicioso. Bon, j'ai trop faim. J'attaque, ça sent trop bon. Et regardez mon dessert. Ouh, bien mérité, hein. Je prends pas souvent des desserts, mais aujourd'hui j'avais une faim de loup. Vraiment, une faim de loup. Donc, j'ai pris ça un dessert avec... j'ai oublié ce qu'il y avait à l'intérieur. Super beau. J'ai pris une bonne douche, je suis relaxée. Maintenant, je vais vous montrer la chambre de nuit. Et là, voici la chambre de nuit. Super beau. J'ai cette chambre pour 3 nuits, toute seule. Si j'éteins la lumière, vous allez voir la vue. C'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est vraiment une belle chambre. Vous savez, moi j'adore les beaux décors. Voilà. Regardez la belle vue de nuit. Super jolie. Parce que ça fait 2 ans quand même, si vous me suivez, que je suis nomade, on peut dire, hein? Oui. Entre le Cameroun, le Canada, un peu partout. Ça fait 2 ans que je suis nomade, donc... ça va me faire plaisir d'avoir enfin un endroit que je peux appeler chez moi. Parce que j'ai signé un bail d'1 an. C'est un meublé. Ah, c'est un très très bel appartement. Je vais vous montrer, c'est un penthouse loft sur 2 niveaux. Et avec, devinez quoi, roulement de tambour? Ocean View. Donc il y a la vue de l'océan, c'est magnifique. C'est dans un très beau quartier, un quartier chic. Là je suis juste à l'hôtel pour 3 nuits. Donc aujourd'hui j'étais avec l'agente immobilière, signer les papiers, tout est beau, tout est bien. J'ai même installé, du moins j'ai planifié internet, donc les techniciens d'internet qui vont venir me mettre ma ligne internet, téléphone et tout. Jeudi, donc dans 2 jours, je suis contente. Si vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram, vous aurez l'impression que je passe ma journée à dormir alors que... non, j'ai juste pas filmé, je suis en train de monter partout, descendre. Demain, j'aimerais bien aller faire mes ongles, par exemple. Donc c'est ça, je suis à l'hôtel. Je vous ai fait le tour hier. Il me semble que je vous ai fait le tour. Mais c'est ça, je suis très booked and busy. Woo! Maintenant que je ne suis plus avec ma soeur, parce que ma soeur est au Canada. Et... je pense qu'on va reprendre les vlogs, mais ce sera juste moi. Mon chéri arrive dans 2 jours, mais vous n'allez pas le voir. Je ne vais vraiment pas le montrer sur ma chaîne. Non, vous allez juste me voir moi. Vous allez voir mon quotidien, ce que je fais, mais vous n'allez jamais le voir. Franchement, je ne peux pas. Je veux pas du tout exposer. C'est pas le but. Je veux vraiment juste partager mon quotidien avec vous. Je veux montrer les belles places que je visite, les beaux endroits. Il y a plein de trucs qu'on va faire. Ce sera trop cool. Là, on a déjà booké certaines activités qu'on va faire. Il y a une île sur laquelle on va aller dans ce dimanche. Oui, on a déjà réservé ici. Et là, j'ai pris un drone. J'ai acheté un drone. Je sais même pas comment ça fonctionne le drone. Je l'ai acheté depuis peut-être 1 mois. Il est toujours dans sa boîte, le drone. Bon, quand je faisais mes valises, j'ai enlevé le drone du packaging, mais je ne l'ai pas encore allumé, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire fonctionner ce drone-là. Mais je tenais trop à avoir des belles vues. Vous voyez la plage, vue d'en haut ou bien... j'avais trop envie, vraiment trop. Donc, j'ai pour mission d'ici demain... et après-demain, avant dimanche, à faire fonctionner ce drone. Voilà. On va y arriver. On va y arriver et on a plein de choses qu'on va faire. Franchement, oh, c'est trop bien. Je vais donc vous partager mon petit quotidien ici. Hein. Et oh, ça va être fun. J'aime beaucoup cette chambre d'hôtel. Elle est belle. Hein. Le lit là, Bon là il est pas dressé parce que j'étais dessus, mais il est beau. Là je viens de check out, voici le lobby de l'hôtel, il est vraiment beau. Regardez un peu les escaliers, ça fait peur un peu. T'as l'impression que tu vas tomber. Ça fait vraiment peur. Bon, c'est pas par ici que je suis supposée partir, mais je voulais juste vous montrer ça avec la belle. C'est vraiment super, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Je pense que mon Uber doit être arrivé, donc je dois m'en aller. C'était vraiment beau ici. Je suis même pas venue par ici. Non, je suis pas venue. Mais c'est vraiment nice. Et puis ma tête. Je m'en vais prendre mon Uber. On a pris mes bagages. Donc mes bagages sont là. Ok, j'y vais. Là c'est le hall d'entrée de l'hôtel. Là je suis arrivée dans le hall. Là c'est le hall de... Bon, il y a des travaux en ce moment là. Mais c'est super beau, super grand. Il y a des travaux en ce moment. Je suis arrivée un petit peu d'avance. J'attends dans le hall de l'immeuble. C'est super beau le lobby là. Ils ont pris mes bagages, c'est en haut là-bas. Vous voyez le porte-bagages là. C'est là-bas qu'il y a mes bagages. J'attends. Je suis d'avance, mais ça va, c'est correct. Bon, là, je suis arrivée dans l'appartement. Je vais vous faire une visite complète. Là, je suis encore en train de m'installer. Je suis allée chercher mon chéri à l'aéroport. Fait que c'est ça, je suis exténuée. Il y a pas mal de... Bon, pas trop quand même. Pas mal de choses que j'ai envie de changer. Ici, j'ai envie de mettre un pot de fleurs. Mais sinon, on a... Voilà, c'est un loft. Je vais vous montrer, c'est un loft penthouse avec vue sur l'océan, Ocean View. On est quand même très haut. Donc je vais vous faire un room tour vraiment approprié. Au moment venu, c'est sur 2 niveaux. Voilà, c'est sur 2 niveaux. Et je vous montrerai tout ça à tête reposée. Là, on est encore en train de s'installer. Vers cet endroit qui est très French. Il y a plein de pâtisseries et des trucs. Fait que c'est ça. On va aller... Alors, oh. Là, il y a une tour Eiffel. Ils ont même mis une tour Eiffel là, comme ça. Ouh. On va... You sure? Yeah, I think the rest of these seats are for the... Yeah. Uh-huh. So, it's very nice. Et là, on est en train d'avoir un café. Water, it says. I'm just gonna cut it when I do the video. So, we are waiting for a stop. Mon bébé un rap et moi j'ai un sandwich jambon, fromage. Je devrais pas avoir du fromage, but c'est ok. Yes. Un peu espagnol. Donc on a ouais, des laitues. I'll show you the separate tomatoes. Ok, seems good. Bon appétit. Donc là on est arrivé à une place pour pizza. Et là j'ai une belle pizza avec du saumon fumé. J'ai l'impression qu'il y a comme des petits pois à l'intérieur. Et chérie gâte, une pepperoni AU. Je mélange le français et l'anglais. Pepperoni, pizza pepperoni, des couscous. Ça a l'air vraiment bon. Bon appétit. Bon appétit. On a des sangria. Moi j'ai pris une sangria blanche et il a pris une sangria rouge. Bon appétit. On va manger au Petit Paris. Petit Paris. You want to eat here? Paris? Petit Paris, baby? Petit Paris, baby. Ici le petit déjeuner. Desean agua regular, agua con gas, sparkling water, bottled water. Regular for me. Regular, yeah. Bon, là ils ouvrent. On va avoir une belle petite vue. Oh, this is cool. On attend. It's beautiful. And then we have Petit Paris. Vamos à Paris. Donc là on a reçu, moi j'ai pris croque madame et sa salade. Croque madame et sa salade. Et bébé il a pris une omelette. Et voilà. Un latte pour monsieur. Un cappuccino pour madame. Bon appétit. Bon appétit. Là on a fini de manger, l'endroit est juste magnifique. Regardez la vue. Oh là là. Et là il y a un bateau. C'est trop beau. Là on voit la ville de ce côté là. C'est superbe. On peut y aller? We can go. Let's go. Got it on camera. You did? I got the hand on camera. Yeah, this is what we're eating. La Vespa. Yes, La Vespa. I need to fix my hair. I can't be on YouTube looking like this. You look hot, baby. Oh, thank you, baby. Oh, that view! I know, right? Outfit of the day. Je porte aujourd'hui un petit jean. On va aller prendre petit déjeuner. Je me suis pas maquillée, mais j'ai changé ma perruque. Petit déjeuner. On va faire quelques courses pour terminer. Compléter l'aménagement et puis c'est tout. Voilà. Pour la petite veste aussi, elle vient de Jacqueline De Zange, mais je dois faire un lookbook. J'ai pas encore fait le lookbook, je dois faire un lookbook. Hier j'ai pu quand même aménager. On a mis des, on a acheté des couvre-lits, plutôt des sets de lits. J'ai acheté le matelas. Et voilà, bon, j'ai changé de matelas parce qu'il y avait un matelas déjà avant, mais je ne pouvais pas dormir sur le matelas de quelqu'un d'autre. Donc j'ai acheté le matelas, j'ai acheté les oreillers. Et voilà la petite peinture. Et j'ai commencé à aménager un peu l'endroit. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose, mais j'ai pas complètement fini. Donc on va... Je vais faire ça plus tard en fait. Voilà, j'ai mis mes petites boîtes. Mais je vais faire mieux, du meilleur travail tout à l'heure. J'ai fait ça hier soir, j'étais trop fatiguée. Voilà, je vous laisse. Il y a encore tout cet espace que je dois ranger. Là, nous sommes dans un magasin pour faire des achats pour le magasin. Et franchement, il y a de belles peintures. Hein. Elles sont vraiment belles. Sont vraiment belles. On est déjà chargé. We are full. Yes. So here we have. Là il y a comme plein de choses. J'aime vraiment ce magasin en fait. Vraiment beaucoup de choses. Where? To the left? Yeah. Okay, we can go and check. Follow me. Yes. Oh, yeah, maybe I can find a vanity here. Il y a plein de trucs ici. Franchement, j'aime beaucoup ce magasin. I love this store. Yeah. Yes. See, like, I could see any of these being vanity for you, baby. Any?